Buenos días, señores, señoras. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo et voilà. Je suis en direction de Gibraltar, plus précisément Algeciras, et voilà, je quitte l'Espagne. J'en ai fini avec le Portugal. Je quitte l'Espagne et franchement, c'est de super souvenirs. Et je conseille à tout le monde, pour ceux qui ne connaissent pas, d'aller en Andalousie, dans le sud de l'Espagne, et puis aussi au Portugal. Les villes sont vraiment très 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 jolies. Et donc voilà, là je pars enfin après 3 semaines, après avoir quitté la maison, au bout de 3 semaines à peu près. Je quitte l'Europe, donc je suis assez excité, je suis content. Je suis un petit peu triste de laisser certaines personnes qui ont accepté de m'héberger, de m'accompagner, tout ça, mais c'est le voyage, c'est la vie. En tout cas, c'était bien cool, et puis bah, continue à me suivre. Et là, comme vous voyez, je suis sur la route, à côté d'un rond-point, et c'est reparti pour l'autostop, direction Gibraltar, pour aller prendre un bateau pour le Maroc. Allez, à bientôt, ciao! Je suis arrivé à Algeciras assez rapidement, donc au port principal d'où partent les ferries pour le Maroc et un peu l'Algérie, tout ça. Et donc voilà, je suis vraiment au sud de l'Espagne, et là mon prochain objectif, c'est de trouver un moyen de prendre n'importe quel moyen maritime pour traverser le détroit de Gibraltar. Mais comme je vous l'ai dit, j'essaie de voyager avec très peu d'argent, sans argent même si possible. Donc là, il va falloir que je trouve une combine ou quelque chose là. Donc je suis au port. C'est très compliqué parce que... C'est très compliqué parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de petits ports là, de baies là où il y a tous les petits bateaux, tous les voiliers, tout ça, c'est compliqué. C'est vraiment un grand port, obligé de passer par les stations maritimes, enfin bref. Donc je dois trouver une solution pour traverser le détroit de Gibraltar, donc on verra. Donc là, c'est vraiment la mission de ouf. Je dois trouver un camion qui va me prendre dans mode clandestin pour aller directement au Maroc. Alors j'ai vu un vieux Marocain qui me disait va dans cette zone là, tu verras, t'as pas d'argent, pas d'argent, c'est pas d'argent. Va là-bas, plein les... Le camion là, il va te ramener sans argent, c'est pas... Donc voilà, c'est la mission, mais il faut rester discret, donc c'est un peu chaud. Salut tout le monde, je suis dans le ferry et en fait, presque tout le monde dort, il n'y a personne en fait. Je suis crevé, mais c'est cool parce que j'arrive en Afrique. Et oui, au bout de 3 semaines, après avoir fait le Portugal, l'Espagne, j'arrive au Maroc dans 30 minutes. Donc voilà, je sais pas encore où je vais dormir. Mais c'est cool, j'arrive en Afrique. Donc voilà, je vais essayer de faire un petit somme, peut-être au sol, par terre. Je crois qu'il y a des gens qui dorment par terre. Mais... Voilà, on verra.